J'espère que vous allez bien, il est 6h30 du matin, on est totalement sous nuit blanche. Aujourd'hui, direction le Standard de Liège, comme vous l'avez vu dans le titre. On a beaucoup de choses à voir à Liège aujourd'hui, puisque c'est les 125 ans que le club fête aujourd'hui. J'espère que ça se passera mieux que ma première fois à Sclessin, parce que j'avoue que la remontada à la dernière minute face à Westerlo en playoff l'année dernière, c'était un petit peu compliqué. C'est parti. Après avoir passé l'après-midi avec le petit marché de Noël de Liège très sympathique, on est maintenant aux abords du stade, les amis. Bon, je vous avoue, je ne vous ai pas trop filmé le début d'après-midi parce que il n'y a pas grand chose à filmer, il pleuvait surtout, ça s'est calmé et surtout il va y avoir pas mal de choses à filmer. Voici l'enfer de Sclessin qui va accueillir le match. Ça va être très sympathique. Passage obligé par la friterie, par une des friteries. On va prendre une petite fricadelle en double, en mitraillette, bien évidemment. Ça, c'est sensationnel les gars, alors, franchement c'est big. Après avoir bien mangé et bien vu, direction l'antre de Sclessin, 19h30. Et le plaisir de rentrer. Allez, on est en F2, on est bien, on va se régaler. Belgique oblige, bière oblige, bien évidemment. On ne va pas dans un stade en Belgique sans bière, messieurs dames. Allez, on va faire de Sclessin pour la deuxième fois. Et pour les 125 ans du Standard, il y a 5 DJ qui se relaient avant match. On aura des jeux de lumière. Ça va être sympa, il y aura un petit tifo là-bas. Là, je pense pas qu'il y aura un tifo. Mais il y aura vraiment des fumées. Thank you.
match. Chose que je ne vous ai pas dit, mais le Standard est 9e, si je ne dis pas de bêtises. Et Genk est 4e. Bazar les sifflements. Oh non! Oh non, 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 non! En vrai, ça aurait pas été mérité parce que vu le début de match du Standard. C'est parti pour cette deuxième période, les amis. Espérons, tiens, j'évite de voir des matchs nuls dans ma vie, ça serait aussi très très bien. Yeah.
général, hein, nous, on est tout droit. Et voilà les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Honnêtement, on n'a pas beaucoup dormi ce week-end, mais ça en valait vraiment le coup. Voilà, voir ce spectacle pour ses 125 ans du côté du Standard de Liège, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Il y a eu du show pyrotechnique, il y a eu une victoire, ça fait très longtemps que j'avais pas vu une victoire pour un club que j'étais venu voir, etc. Un soulagement. Moi, de mon côté, en plus du côté des anniversaires, nous en France, voilà, peut-être en Belgique, je ne sais pas, mais nous en France, généralement, c'est mauvais signe quand on fête un anniversaire. C'est souvent, généralement, une défaite ou alors, dans le meilleur des cas, un match nul. Mais c'est très souvent une défaite. Donc, voilà, du côté de la Belgique, ça a l'air de fonctionner. Tant mieux pour vous, amis liégeois. On s'est régalé parce qu'il y a eu du festival de lumière, etc., fait par le club. Il y a eu aussi forcément ce moment de fumigène du côté des deux groupes ultra, voilà, des PHK et des Ultra Inferno, où c'était franchement exceptionnel. Le tifo des PHK était très très fort. Je me suis régalé visuellement, c'était impressionnant. Et du côté malheureusement des Ultra Inferno, le tifo n'a pas eu lieu. Il sera certainement voilà, dans quelques temps, mais voilà, il a été reporté pour ce match. En tout cas, c'est dommage, c'est peut-être la seule frustration de ce match, mais moi je me suis régalé. En tout cas, si vous voulez aller à Sclessin et que vous hésitez, bah n'hésitez clairement pas, parce que ça en vaut vraiment le coup. En plus, les frères belges sont très très sympathiques. Part de mon côté avec un très très beau cadeau, puisque le frérot Jordan, voilà, m'a offert une belle écharpe, une belle pièce de collection depuis 125 ans, avec voilà le magnifique Standard de Liège. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est exceptionnelle. Ça me fait un très très beau souvenir de ce match là. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, les gars. J'espère, voilà, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'images forcément, parce que en fait j'ai eu une petite complication au niveau des images, etc. Ça rendait pas forcément bien des fois. L'iPhone il buguait un petit peu, mais voilà, c'est pas le plus important non plus qui est un petit peu tombé à l'eau. Le plus important, c'est que vous ayez les shows pyrotechniques et forcément les plus grosses actions du match. Voilà, c'est le plus important pour moi, je pense. Et puis voilà, je vous dis à très très vite les amis. Moi demain je pars direction Milan pour un match exceptionnel qui s'annonce, voilà, grandiose. Je pense que c'est la première fois depuis très très longtemps que j'ai pas été aussi hype par un match de foot, voilà, puisque c'est San Siro quand même, et c'est en Ligue des Champions. Ça va découvrir un stade mythique. Je suis très très hype là-dessus. Ça va arriver d'ici fin de semaine pour vous, en tout cas en vlog. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Des bisous les gars, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Could've gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no